Les tutings! Mais je te promets que j'essaierai de revenir. Je te dis de ne pas venir. Voilà la matrone. Elle a du flair. Cache-toi dans l'eau, comme ça elle ne pourra pas sentir ta présence. Encore dans l'eau. Siouxing, notre sœur. Oui, je sais. La matrone attend avec impatience. Je viendrai quand j'aurai fini. La honte soit sur toi. Comment oses-tu cacher un homme ici? Réponds. Je vous jure que je ne cache personne. Tu mens. Et en voici la preuve. Tiens. Pourquoi as-tu écrit cela? Tu as voulu me défier. Je dois te punir. Tu m'as trahi. Que je supplie te serve de leçon. Tu as intérêt à m'obéir, sinon je détruirai tes cendres. Et tu t'évaporeras dans l'air. Si ce soir, tu me trouves un être vivant, afin d'accroître mes forces et prolonger la durée de mon existence, tu seras pardonné pour cette première offense. Suqing, apporte le remède pour ta sœur. Oui. Tu es fiancée au Seigneur Noir. Dans 3 jours, tu seras sa femme. Malgré son vieil âge, il n'est pas commode. Lorsqu'il s'emporte, personne ne peut le maîtriser, pas même moi. Quand tu l'auras épousé, ne reviens plus jamais. Suqing. Oui. Voici ta robe de mariée. Viens l'essayer. Bientôt aussi. Je sens quelque chose. L'odeur d'un homme vivant. J'ai déchiré ma robe. Tu pourrais faire attention. Mes mains sont sales, je vais les laver. Attends, je vais t'aider. Non, merci. Très bien. Oh, pourquoi m'éclabousses-tu? Excuse-moi. Suqing, ne provoque pas ta sœur. Elle me provoque toujours. Tu ne t'es pas lavé les mains? Tu l'as fait exprès, je m'en vais. Enlève ta robe et qu'une servante la répare. Suqing, que fais-tu? Je vais prendre un bain. Je dois me dépêcher. Bientôt ce sera l'aube et je dois ramener un être vivant. Tu vois, ta sœur est très bonne. Suqing, je te conseille de suivre son exemple. Soyez sans crainte. Ce soir, je ne vous abandonnerai pas. Je vous obéirai. Bien.